Figurez-vous que sur les quatre ateliers et les 13 thématiques, il n'y a pas une qui traite spécifiquement de l'énergie, alors que l'énergie, c'est vraiment donc le premier facteur de production. Partout où on voit que le développement y est lié. Et donc, voir qu'à un tel niveau, déjà, des discussions ne sont pas prises en compte comme thématique à part, c'est difficile. Mais on a trouvé les moyens, au niveau donc, des discussions, et d'essayer de mettre plus en avant ce qu'il faut. Donc, plus concrètement, ce que nous avons proposé là-bas, c'est de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, une certaine réglementation pour ce qui est de la maîtrise de l'énergie, ou à minima de l'efficacité énergétique, parce que dans notre pays, on ne voit pas un cadre réglementaire qui nous permet d'amener les gens au niveau de l'industrie, au niveau des ménages, au niveau des services, de mieux utiliser, de mieux consommer de manière rationnelle donc, l'énergie pour réduire dans tout ce qui est gaspillage. Parce que si nous faisons ça en amont, ça va réduire dans les investissements à mobiliser et aussi ça va permettre de réduire donc, les impacts environnementaux pour ce qui est de notre cadre de vie. Un autre point, c'était de la valorisation plus globalement des ressources énergétiques que nous avons, mais aussi de l'efficacité même en tant que sous-secteur, de l'efficacité énergétique et aussi de la bioénergie. Et nous avons pensé que c'est aujourd'hui extrêmement important que dans un pays comme le Mali, que nous puissions soutenir la valorisation et la promotion donc, de ces éléments-là. Et l'autre aspect, c'est de disposer d'un fonds. Figurez-vous, j'ai expliqué tout à l'heure dans la salle que l'année dernière, notre ministre de l'Énergie est parti donc en Côte d'Ivoire quand on était avec ici des délaissages avec notre période de chaleur pour trouver à peu près un 50 mégas là-bas. Mais nous partons chercher ça en Côte d'Ivoire alors qu'en Côte d'Ivoire, et même ils disposent déjà d'un fonds pour aller dans l'efficacité énergétique, un fonds pour maîtriser l'énergie, un fonds pour maîtriser les charges avec des actions au niveau des bâtiments, de l'industrie et tout. Et nous, on n'a pas de fonds ici, nous partons chercher l'aide alors que la possibilité est pour nous de réduire dans nos charges ici, soit on les redistribue, ou en tout cas c'est l'investissement déjà consenti. On a aussi expliqué la nécessité d'aller à ce fonds-là, que cela va effectivement nous aider d'avoir un fonds national donc, de la promotion de l'efficacité énergétique, ou encore un fonds national qui peut être dédié à l'environnement et donc à l'efficacité énergétique ou à la maîtrise de l'énergie. Et l'autre aspect, c'est aussi la valorisation énergétique des déchets, qui a un lien direct donc, avec l'environnement. Et ces déchets, aussi bien liquides que solides, par des techniques ou des technologies qui sont connues. On a de l'énergie à ça, ce qui nous amène à ce qu'on appelle une économie circulaire, donc la valorisation énergétique donc de nos déchets, aussi bien solides que liquides. Les déchets des abattoirs, on en a parlé pour tout ce qui est question de biogaz.